commerce local. L'offre fait défaut. Le marché malgache représente aujourd'hui environ 1 milliard de consommateurs. Or, force est de constater que le secteur du commerce est confronté à des lacunes. L'offre fait défaut. C'est ce qu'a annoncé Jean-Gabriel Harisson, directeur général du commerce extérieur, au niveau du ministère du Commerce et de la Consommation, à l'occasion de l'ouverture de l'atelier sur le cadre intégré renforcé, ou CIR, qui s'est tenu à l'hôtel Ibis d'Ankourjan. De nombreux obstacles ont été soulevés par Jean-Gabriel Harisson, qui constitue un frein à la production ainsi qu'à l'exportation pour la Grande Île. Le DGCE a entre autres mis en relief le coût élevé de la taxe sur l'exportation, le manque de compétences, l'absence de législation régissant le secteur ou encore le non-respect des normes. Cependant, le marché nous tend les bras. Malheureusement, il y a trop de négligence. En guise de solution, le DGCE suggère l'effectivité de la loi sur la protection des consommateurs récemment adoptée au niveau du Parlement. Déterminer les solutions appropriées pour les producteurs locaux pour leur permettre de percer les marchés, la mise en place d'un système de traçabilité de nos produits. Jean-Gabriel Harisson a également mis l'accent sur l'importance du professionnalisme.